thank you Chris Brun, bonjour. Vous êtes professeur d'histoire ancienne depuis 1996 et à l'université Bordeaux-Montaigne depuis 2002. Vous avez présidé l'université à l'époque Bordeaux-3 de 2009 à 2012 et vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, membre senior depuis 2015. Vous êtes spécialiste de l'histoire d'Athènes à l'époque classique, plutôt le IVe siècle, mais aussi spécialiste des Cyclades et des régions, une région du sud-ouest de l'Asie mineure, la Carie. Vos recherches se sont beaucoup appuyées sur les sources épigraphiques, ce qui vous a conduit à la publication de deux recueils. Le premier euh, en 2005, Impérialisme et Démocratie à Athènes, et euh, le second en 2017, pour lequel nous vous recevons aujourd'hui, euh, qui s'intitule Hégémonie et Société dans le monde grec. Et donc nous allons euh, présenter cet ouvrage euh, sur ce sujet. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi ce livre autour de l'épigraphie Quel était le but de, de ce livre Eh bien, pour une raison assez simple, c'est que la plupart des inscriptions, soit n'ont jamais été traduites ou sont traduites dans des langues étrangères qui ne sont pas forcément familières de tous les étudiants, ni de tous les enseignants. Et euh, ce sont des sources qui sont, en mon sens, absolument essentielles, parce qu'elles elles offrent des images qui sont des images, euh, je dirais, figées peut-être, mais euh, sans qu'il y ait de modification autour des siècles. C'est-à-dire ce qui a été gravé vers, dans, vers 350, par exemple, l'a été, en 350, et nous avons le, si je puis dire, le produit brut. Et c'est ça qui me, qui me paraît tout à fait intéressant. Je dirais, d'autant plus intéressant qu'on retrouve assez régulièrement de nouvelles inscriptions, ce qui permet d'avancer un petit peu plus dans la connaissance de, de l'Antiquité, ce que l'on n'a pas, par exemple, avec les sources littéraires qui sont connues pour l'essentiel depuis euh, plusieurs siècles. Et alors, est-ce que c'est ce qui vous a amené à choisir cette collection euh, des presses universitaires de Bordeaux qui se nomme Parcours Universitaire et qui est une coédition avec euh, les éditions d'ONUS, en tout cas pour le, le volume que vous avez publié Je pense quand même qu'il y a une, une raison euh, fondamentale, c'est mon attachement à... Depuis, je dirais, depuis que je suis tout petit, en quelque sorte. Et puis, euh, comme vous l'avez signalé, le fait d'avoir été président de l'université euh, attache encore un petit peu plus à, à l'établissement. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle je n'ai pas proposé le manuscrit à, à, à un éditeur privé que j'avais pourtant sollicité il y a une dizaine d'années. Je pense que l'attachement que j'ai à cette université euh, explique en grande partie le fait que j'ai proposé le manuscrit précisément à une coédition euh, inédite, si je, si je, d'après ce que j'ai pu comprendre. En tout cas, c'est la première entre les presses universitaires de Bordeaux et aux ONUS. Donc on va peut-être pouvoir prendre euh, quelques exemples qui vont montrer euh, l'intérêt de l'épigraphie comme source pour justement euh, euh, valoriser cette source qui parfois est un peu oubliée euh, des étudiants dans, dans leur parcours euh, de recherche. Donc euh, euh, Peut-être euh, commencer par euh, des textes qui permettent d'avoir une convergence avec des sources littéraires. Je pense euh, à l'inscription numéro 41, euh, qui est un texte de Trézène euh, résist, euh, qui résiste à l'invasion thébaine du Péloponnèse en 369. Oui, alors ça, c'est une question tout à fait intéressante, parce que, euh, précisément, comme vous venez de le dire, euh, il m'a paru intéressant souvent de mettre euh, en parallèle un texte épigraphique avec un texte littéraire, qui permet je ne pas de, de confirmer, mais d'orienter un petit peu euh, le, la source littéraire. La source littéraire, c'est l'odeur de Sicile, qui parle de l'invasion des Thébains dans le Péloponnèse, et, et il dit précisément qu'ils ont buté sur la cité de Trézène, qui est une cité Et Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans l'inscription, on a comme euh, le, le chef de la garnison euh, de Trézène, qui est probablement un mercenaire, est, un, est un, un capitaine qui vient de Platée. Et la Platée est la cité ennemie traditionnelle de Thèbes. Et le fait que les Thébains aient trouvé sur leur chemin un platéen, bon, m'a paru euh, quelque chose de tout à, fait, tout à fait intéressant, parce que si on n'a pas le texte littéraire, il est extrêmement difficile de dater, en quelque sorte, l'inscription. On a la possibilité, là, de dater l'inscription grâce au texte littéraire. Et grâce à la, au, au texte littéraire, D'éclairer en quelque sorte le contexte de l'inscription. Vous affectionnez en particulier l'inscription numéro 4, qui est un mémorial des Mégariens pour les morts lors de la Seconde Guerre Médique après 479. Alors Mégare est une cité voisine d'Athènes, hein, c'est juste au sud d'Athènes, qui a participé aux guerres médiques. On sait, on sait qu ont que la cité a participé aux guerres médiques, à toutes, les, à toutes les guerres médiques, enfin à tous les épisodes de la Seconde Guerre Médique. Mais on n'en sait pas plus. Sauf que, au 19, à la fin du XIXe siècle, on a trouvé à Mégare une inscription, alors, que vous avez dit effectivement que je trouve captivante. Pourquoi Parce qu'elle rapporte des événements de 479, 480-479, avec un poème, un poème de Simonide, un grand poète élégiaque de, du temps. Mais cette inscription, vu l'écriture, ne peut pas dater du 5e siècle euh, avant Jésus-Christ. L'écriture nous amène, et la syntaxe également, nous amène plutôt à la fin du IVe et au début du Ve siècle, aux alentours de 400. Ce qui fait qu'on a regravé quelque chose comme neuf siècles après cette inscription. Et alors, il y a un petit, euh, une introduction et une conclusion, qui alors est absolument euh, essentielle pour ce, pour ce texte, c'est que c'est un grand prêtre, qui s'appelle Eladios, qui dit que l'inscription, elle gisait là, euh, effacée par le temps, et il a décidé de la... Réécrire, de la regraver, peut-être même lui-même, compte tenu des fautes de. de, de on n'a pas un professionnel là, hein, euh, pour la mémoire des morts et de la cité. Or, il est grand prêtre, Archillerus, vers 400, une époque où la religion dite païenne est en train de disparaître. On a là un témoignage assez émouvant de la fin de, de l'époque païenne, et cette, cet archiprêtre doit vivre dans un monde probablement devenu chrétien, et il essaie en quelque sorte de garder le souvenir du temps glorieux où la religion polythéiste grecque suivait les hommes. Alors, si on passe maintenant euh, à des aspects plus sociaux, euh, il y a notamment une inscription, la numéro 93A, qui octroie la citoyenneté à deux femmes par euh, une, un regroupement de cités que l'on appelle un koinon, le koinon des molos. Et donc vers 370 avant Jésus-Christ. Alors les Molosses, euh, il ne faut pas les imaginer comme étant des, des chiens, même si ce sont. C'est évidemment de. En Molossie, il y avait des, des chiens qui paraît-il étaient énormes, d'où le nom. Euh, ça correspond à l'Épire, c'est-à-dire le nord de la Grèce et, et l'Albanie, si on veut. Hein. Euh, la Molossie possédait un. C'était un royaume. C'était un royaume, un peu comme la Macédoine. Et euh, nous avons là, nous avons un texte qui effectivement montre que dans ces régions que l'on prétendait reculer, euh, il y avait des possibilités pour les femmes de devenir citoyennes. Alors que si on a des décrets qui octroient la citoyenneté à deux femmes, ça signifie tout simplement que les femmes, en Molossie, avaient le statut de citoyen. Et ça, ça m'a paru absolument essentiel de le, de le montrer parce qu'on on dit toujours, à juste titre, que, que les Grecs étaient misogynes, ce qui n'a pas vraiment beaucoup de, de sens. Euh, la misogynie n'a pas de sens, même si le mot est grec, euh, reporté à, à, à l'Antiquité. Mais ça montre sur, aussi que, et peut-être même surtout, que ce sont surtout les Athéniens qui l'étaient. Et qu'on on imagine beaucoup trop les Grecs à l'image des Athéniens, et cette, ce texte-là, qui est un texte très court, hein, euh, qui n'est pas, pas très très connu, euh, m'a paru effectivement essentiel pour donner une image plus diversifiée du monde grec qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, c'est le but aussi un petit, de cet ensemble de, de textes. Et on va finir avec euh, le texte numéro 122 qui est, euh, rassemble des lamelles de consultation oraculaires au sanctuaire de Dodone, au sanctuaire de Zeus Dodonéen au IVe siècle. Alors, pour, pour choisir des, des textes religieux, j'ai choisi aussi d'autres textes religieux, hein, notamment ceux à Perséphone et tout, hein, qui sont des textes tout à fait étonnants. Mais euh, effectivement, le, les textes de Dodone sont tout à fait, euh, tout à fait intéressants parce que euh, ce sont des lamelles de plomb. Ce sont des lamelles de plomb que le. On pose une question. Le, le, celui qui vient consulter Zeus Dodonéen, Zeus qui parle par les arbres. Hein, il, ce n'est pas une pitié qui s'exprime. Hein, c'est les arbres qui parlent, et les, et les prêtres interprètent ensuite, et on pose une question. On pose une question sur une lamelle de plomb et on la met dans la terre. Et ensuite, eh ben on a la réponse. Alors, on a, on, a, on, a, on a découvert, les fouilles à Dodone ont repris, on est à plus de 4000 découvertes actuelles, je crois quand même aux 4500 ou 5000. Et euh, il fallait en choisir évidemment un certain nombre, et ça m'a paru intéressant de voir, je dirais, la, euh, le côté euh, utilitaire, hein, parfois de, des questions qui sont posées, euh, faut-il que je parte que, euh, Qui m'a volé mon oreiller euh, Est-ce qu est que, est que je dois faire confiance à mon épouse Voilà, ça donne une image euh, de la religion qui n'est certes, ou la métaphysique, certes, n'est pas, pas extraordinairement développée, mais qui montre aussi, inversement, la confiance que les Grecs avaient en leur Dieu. Parce qu'on dit parfois, on dit souvent, oh ben les Grecs n'y croyaient pas, ces mythes et tout ça. Ce type de questions montre bien qu'ils y croyaient, qu'ils y croyaient fermement, qu'ils attendaient des dieux de, de leur dieu des réponses. Bien Patrice Brun, je vous remercie pour avoir répondu à ces questions. Et puis j'espère qu'elles auront donné envie au public de consulter cet ouvrage, donc, qui est un apport, je pense, très utile pour les études en histoire ancienne à l'université. Je vous remercie.